d'interagir avec un lieu aussi original et aussi singulier que l'espace Mendès France dans le paysage français. Je pense qu'il a encore de beaux jours à vivre. Et je souhaite évidemment qu'on interagisse de plus en plus, comme je l'ai fait d'ailleurs, puisque avant vous, nous avons organisé pour les étudiants qui étaient en doctorat des conférences d'épistémologie et d'histoire des sciences humaines qui étaient extrêmement intéressantes. Et là, je trouvais que c'était un modèle d'excellente collaboration. J'en termine avec ça. Donc, cette conférence inaugurale, en fait, elle est vraiment l'antichambre de ce que nous allons faire. Je rassure tout de suite ceux et celles qui ne viendront pas demain et après-demain. Elle se suffit tout à fait à elle-même. Mais à l'occasion, je dirais, nous allons parler plus précisément de cela ou de cela dans les jours à venir. Donc, comme vous le voyez, je l'ai intitulé « Le royaume de la variante ». Et je vais centrer mon propos sur le passage graduelle, en fait, d'une sorte de spectre de graphie très vaste et la restriction graduelle de ce spectre à mesure que nous avançons dans le siècle classique et post-classique, surtout à partir de 1750-60, où on sent très très bien que la variante est déjà en péril, ou en quelque sorte qu'elle est, petit à petit derrière nous, avec la naissance d'un standard de plus en plus affirmé. Voilà, donc tout le monde sait que c'est une conférence préliminaire. Donc demain, ce sera à la faculté des lettres, le matin, et l'après-midi au château des Ormes, qui est le château qui appartenait à la famille d'Argenson au XVIIIe siècle. Donc nous serons véritablement au lieu même où les dames d'Argenson, quelquefois, ont écrit leur correspondance. Et le 3 octobre, donc jeudi, nous retournerons le matin et l'après-midi à la faculté des lettres. Vous êtes les bienvenus, y compris les personnes qui ne se sont pas inscrites, mais qui, à la suite de cette conférence, prendraient goût à la chose. Vous pouvez très bien venir, et il y a, je crois, des programmes qui se trouvent sur le comptoir à l'étage au-dessus pour que vous puissiez savoir au juste de quoi nous allons parler. Voilà, alors le préalable pour nous, il faut que je dresse une espèce de paysage pour que les choses soient bien claires. Le XVIIe siècle est manifestement le moment où s'élabore ce qu'on appelle le bon usage. Mais l'orthographe au XVIIe siècle n'est absolument pas un enjeu de taille. Donc je détaille ça ici. Ce qui intéresse au XVIIe siècle les grammairiens puristes, ce n'est pas l'orthographe, ce sont des choses aussi variées que cela, la propriété des termes. Donc on va discuter longuement pour savoir que signifie précisément terrain par rapport à terroir ou territoire. Et cette sensibilité à l'exactitude des synonymes va donner lieu à une série de trois, au moins trois, sinon plus, dictionnaires de synonymes au XVIIIe siècle qui vont sans cesse essayer de raffiner la propriété des termes. Ça, c'est une sorte d'obsession de cette période classique qui est très, très attachée à la clarté du discours. Deuxième type de préoccupation, comment est-ce qu'on construit tel ou tel verbe ou tel nom ? Je vous donne ici un exemple qu'on trouve chez Vaugelas. Est-ce que je peux dire sortir le cheval de l'écurie ? Vaugelas dit, on ne dit pas sortir le cheval de l'écurie, on dit faire sortir le cheval de l'écurie. Donc la construction de sortir ne peut pas être transitive directe sous cette forme-là. On s'intéresse énormément aux droits qu'on a ou pas d'emprunter, de calquer, de construire des mots nouveaux.
Et je vous donnais ici l'exemple qu'on trouve aussi chez Vaugelas en 1640. Est-ce que du latin urbanitas, on peut créer urbanité? Voilà, ça, tout ça, c'est vraiment, ce sont des lieux de sensibilité normative. Ou encore ici, l'exactitude d'une métaphore. Donc, je trouve par exemple dans une traduction, un bruit passe de main en main, et l'Académie dit, désolé, un bruit ne passe pas de main en main, il passe de bouche à oreille, mais pas de main en main. La métaphore est jugée, impropre. Je peux vous donner un autre exemple, mais après je m'arrêterai, on va tout de suite arriver à l'orthographe. Un traducteur avait mis descendu, bien que de loin, de la souche royale. Alors, descendre est une métaphore, et donc, si les ancêtres sont à la souche, les descendants montent, mais ne descendent pas. En clair, si vous voulez, l'image de la souche et l'image de descendre ne sont pas cohérentes l'une avec l'autre. Voilà où se trouve le type de préoccupation des grammairiens puristes. Et j'y reviens, l'enjeu n'est pas du tout dans le domaine orthographique. Donc, il y a bien sûr des questions, des débats parfois houleux, mais à la différence du XVIe siècle, la période classique se déroule sans heurts frontaux. Ça, il faut bien le comprendre, probablement justement parce que l'orthographe n'est pas encore un lieu névralgique, un lieu à fort enjeu social. Et puis, une chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que contrairement à ce qu'on pense, l'Académie ne devance pas l'usage, elle suit l'usage. Je voudrais raffiner un petit peu notre jargon en disant ceci. Dans orthographe, vous avez la notion de orthographe, c'est-à-dire graphie conforme à un standard. Il n'y a pas, comme je le disais et comme je vais le développer, il n'y a pas véritablement de standard univoque à cette époque-là. Ce qui fait que souvent, je préfère utiliser le terme graphie, une graphie, qui me semble plus neutre et plus conforme à cette époque. Par exemple, comme vous le voyez ici, vous avez deux graphies parfaitement autorisées du mot roi. Je ne dirais pas que ce sont deux orthographes, mais à l'occasion, ne soyez pas surpris si je finis par dire orthographe par simple réflexe de langage. Donc, il peut arriver qu'entre deux graphies, l'une apparaisse plus noble. C'est par exemple théâtre écrit comme ceci par l'Académie. Et théâtre comme ça apparaît moins noble dans le dictionnaire de Richelet. Mais ces deux graphies sont malgré tout installées dans un ensemble de graphies recevables. On n'est pas dans la cacographie. Alors, maintenant, je vais petit à petit, évidemment, m'acheminer vers la période qui sera celle du colloque, c'est-à-dire essentiellement le XVIIIe siècle. Mais quand même, un peu de retour arrière. Pour le XVIIe siècle, ce qui compte, c'est que commence à être véritablement audible, quand vous regardez les grammairiens, l'opposition entre ancienne et nouvelle orthographe. On n'en est pas encore à choisir, mais on peut déjà entendre chez les grammairiens qu'ils ont conscience qu'il existe, moi j'appelle ça des familles d'orthographes plus que des orthographes, hein, ou des familles de graphies. Alors, je voudrais me débarrasser de deux instances de discussion que l'on peut croire véritablement influentes et qui ne le sont pas pour le XVIIe siècle. Premièrement, l'Académie française, fondation en 1635. Son autorité est très faible pendant tout le XVIIe siècle. N'oubliez pas qu'il faut presque 60 ans pour que le dictionnaire qu'elle devait faire sous la commande de Richelieu paraissent. Donc,
sa lenteur est désespérante, et tellement désespérante que Louis XIV finit par recevoir, d'une manière quasiment officielle, deux dictionnaires qui pourtant contreviennent au privilège du dictionnaire de l'Académie, celui de Pierre Richelet et celui d'Antoine Furtière, l'un en 1680 et l'autre en 1690. Le choix orthographique de l'Académie date, d'après ce qu'on peut voir dans les archives, de 1673. C'est-à-dire qu'il y a presque 40 ans pendant lesquels l'Académie travaille à son dictionnaire, mais semble n'avoir aucune préoccupation de se dire dans quelle graphie allons-nous écrire. Donc c'est quand même très étonnant. De l'autre, donc j'ai dressé un peu le tableau de l'Académie, de l'autre, il existe des réformateurs qui, à la suite des grands courants de réforme de la Renaissance, rediscutent ces questions. En gros, l'argumentaire est à peu près toujours le même qu'au XVIe siècle, cet orthographe docte, qui est en fait celle héritée des dictionnaires latins-français de Robert Étienne à la Renaissance, est opaque et elle est très mal profilée pour les mal lettrés. Donc il s'agit de rendre plus pratique l'écrit. Ces tentatives n'ont aucune influence sur l'usage moyen du temps. Et voici ce que dit d'ailleurs Antoine Furtière dans son dictionnaire universel. Il dit, comme vous le voyez, le premier qui a voulu changer l'orthographe fut Jacques Pelletier du Mans, etc. Donc là, nous avons des réformateurs du XVIe siècle, Pelletier, Maigret, Laramé, Jean-Antoine de Baïf, et il ajoute, et de notre temps, les clashs, ces opinions ont été traité de ridicule. Autrement dit, on exit pour le XVIIe siècle, l'Académie française d'un côté sans influence et les réformateurs de l'autre. Je voulais vous montrer quand même ceci, qui est quand même assez étonnant, un cas tout à fait extrême qui n'aura absolument aucun succès et ne sera jamais réédité. C'est l'ouvrage de Gilles Vaudelin qui propose en 1713 puis en 1715 une série de caractères complètement nouveaux, avec l'idée qu'il fallait une parfaite biunivocité entre ce que l'on entend a, en, est, et, un, i, e, o, on, etc. Toutes les voyelles du français, toutes les consonnes du français, et pour chacune de ces articulations orales, une paire de majuscules et de minuscules absolument univoques. Ça donne donc un résultat dans le livre en question, Les Instructions chrétiennes, qui est évidemment assez difficilement lisible, sauf pour les spécialistes comme moi. Et autant vous dire que cette utopie-là n'aura, comme les autres, aucune espèce de retombée. Donc je me débarrasse de ça. Mais ce qui est très très net, c'est que moderniser l'orthographe à ce point, c'est attenter à l'ordre social. Et c'est presque aussi attentatoire que de laisser les femmes accéder au savoir. Et c'est intéressant de voir que souvent, le lexique qui critique les réformateurs est emprunté en fait dans la stigmatisation au vocabulaire de l'hérésie et des schismes. C'est-à-dire que l'enjeu de ces querelles est loin d'être innocent. Alors, une fois que je me suis débarrassé, si vous voulez, de ces deux pôles dont je dis qu'ils n'ont aucune influence, quelle est la réalité maintenant des forces en présence à cette époque-là ? Alors, la première force en présence, c'est en gros les gens de justice, ce qu'on appelle par métonymie la robe. Ces gens-là sont très frottés de latin, tiennent à maintenir une sorte de diglossie entre le latin et le français, et par conséquent, ils vont favoriser des orthographes, ou si vous voulez, des graphies, qui maintiennent des traces étymologiques, des traces de morphologie perdues, d'anciennes prononciations, etc.
ce milieu est quand même détenteur de documents officiels. Donc, si vous voulez, le monde de la justice, c'est quand même celui des documents comme tout ce qui est procès, mais bien sûr aussi tout ce qui concerne les transmissions de patrimoine et tout cela. Donc, il y a une certaine force dans ce milieu, mais il n'a pas le vent en poupe. Ça, il faut bien le comprendre. La monarchie a cherché à mater le Parlement de Paris et à lui dire « Vous n'êtes qu'une cour de justice, vous n'avez rien à dire sur les affaires politiques du royaume. » Et en faisant ça, ce que le roi a dit en gros, c'est « Votre langue, vous, les gens de justice, est un jargon de spécialité et n'est plus une langue qui a force d'autorité pour le bon usage. » Il faut vraiment prendre conscience de cela parce que cette manière de mater le Parlement a eu une incidence sur le passage graduel à des orthographes moins hérissées d'étymologie ou de traces phonétiques perdues. La deuxième force en présence, et celle qui a cette fois-ci le vent en poupe, c'est la Cour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir royal... ayant maté le Parlement de Paris, c'est la Cour qui devient l'horizon, en quelque sorte, du bien-parler. Or, ces courtisans sont très faiblement acculturés en latin, et ce sont eux qui, petit à petit, vont prendre le dessus. Je crois que vous voyez un peu dans quel sens socio-linguistique la balance va aller. Voici, je voulais vous dire un mot de cet ouvrage de Vaugelas, extrêmement important, Les remarques sur la langue française. Or, ce que on voit très bien en cette date de 1647, c'est que le Parlement n'a plus d'autorité. Ce qui compte, c'est la plus saine partie de la Cour et la plus saine partie des auteurs du temps. Et chaque fois que Vaugelas parle du langage de la justice, c'est pour dire que son langage vaut pour l'enceinte du Parlement, mais ne vaut pas pour l'usage commun. Troisième force en présence, la force montante, c'est ce que déjà à l'époque on appelle le public. Et là, vous avez véritablement, au XVIIe siècle, une poussée de l'acculturation dans la langue vernaculaire. On va le voir tout à l'heure avec le marché de l'édition. Donc ce que j'appelle le public, ce qu'on appelle le public, c'est le peuple dans l'exacte mesure où il peut influer sur la chose publique, notamment par son accès à la langue et au savoir. Donc c'est là qu'on voit apparaître les femmes qui lisent de plus en plus, et puis évidemment une population scolaire croissante, puisque depuis la fondation des Jésuites, il y a de plus en plus de collèges, jusque dans des petites villes comme Sarlat, qui avait son collège de jésuites. Donc, en essaimant de cette façon-là, il est clair que la population qui est acculturée croît. Alors, la place des femmes. Tout à l'heure, demain, évidemment, Nicole Pellegrin, comme je l'ai mis ici, parlera de l'éducation des filles. Après-demain, nous parlerons de la grammaire des dames, parce que cette période voit fleurir des grammaires des dames, et nous avons voulu savoir de la bouche de Gabriel Bec-Busseux exactement ce qui se cache derrière et ce qui se cache dans les grammaires des dames. Mais en tout cas, les femmes commencent à peser. Et dans le dictionnaire historique des précieuses, on note à l'article orthographe, elles se mirent à dire qu'il fallait faire une nouvelle orthographe afin que les femmes puissent écrire aussi assurément et aussi correctement que les hommes. Voilà un élément sociologique qui va peser évidemment sur ce que le XVIIIe siècle va nous léguer. Le marché du livre maintenant. Ça, ce sont peut-être des évidences, j'ai peur d'enfoncer un peu des portes ouvertes, mais le XVIIe siècle, c'est le moment où dans la production de livres, ce qui s'écrit en langue vulgaire commence à dépasser quantitativement ce qui s'écrit en latin. Et donc la sociologie du lectorat
évidemment s'en trouve changé, puisque tous ceux qui sont capables de lire en langue vulgaire vont pouvoir accéder à des connaissances. Et ceci se boucle, hein, puisque plus on lit en français, plus on alimente le marché et la production de livres. Et c'est ainsi que, de proche en proche, le marché du livre en langue vernaculaire grossit. Alors, le résultat de tout cela, pour la fin du XVIIe siècle, c'est que, comme l'Académie n'a aucune autorité, comme je venais de vous le dire, les orthographes, en fait, reflètent ces forces en présence et fluctuent. Je pense que je vous ai bien montré, en fait, trois milieux, hein, qu'on trouve aussi d'ailleurs en Angleterre, où ils disent les polite, les literate, enfin ceux qui sont lettrés, et puis le peuple. Hein. Donc là, ces trois forces étant en présence, les orthographes, en l'absence d'autorité, fluctuent entre elles. Hein. Donc le résultat, c'est que vous allez trouver un peu de tout, manuscrits ou imprimés, romans, textes judiciaires, mandements de carême, que ce soit, les imprimeurs fluctuent entre eux, les professions fluctuent entre elles, les éducations fluctuent entre elles, hommes et femmes fluctuent, et les classes sociales fluctuent. Donc nous sommes en plein royaume de la variante. Je passe sur le fait que, en cette fin du XVIIe siècle, la querelle des anciens et des modernes va plutôt tourner à l'avantage des modernes tout doucement. Et donc j'en arrive maintenant au XVIIIe siècle. Alors, la situation change, et le jésuite Claude Buffier, en 1727, dit ceci, je ne cite qu'un extrait, « D'autres écrivains, demeurant encore attachés à l'ancienne orthographe, il s'est fait dans notre langue à ce sujet une espèce de schisme qui y forme un nouvel embarras, surtout pour les étrangers. » Buffier est favorable à une modernisation raisonnable de l'orthographe, et donc il est en train tout doucement de dire ceux qui sont encore attachés à l'ancienne orthographe font une espèce de schisme. Moi, je l'entends un peu comme ça. Ça veut dire que dans son esprit, les forces, petit à petit, sont en train de basculer du côté de la modernisation. Et donc, ce qui reste, je ne dirais pas maladivement, parce que ce n'est pas dit par Claude, mais ce qui reste religieusement, parce que c'est un schisme, attaché aux anciennes orthographes, sont un peu déjà dans une position secondaire. Hein. Ça bouge. Alors, pour que tout le monde soit au clair là-dessus, j'ai donné ici les principales zones de variation. IJ et UV, vous trouvez juge comme ça, ouvrage comme ça, bon, beaucoup de choses que vous connaissez certainement. Ici, il y a quand même beaucoup de cas où, surtout chez Pierre Richelet, le dictionnaire de 1680, regardez ce qu'il propose, un rhume comme ça, rhumatisme, étymologie sans Y, mythologie sans Y. Donc, même l'Académie, 1694, première édition, hein, elle propose fantaisie comme ça, mais aussi comme ça. Donc on voit que dans le cas précis, elle se débarrasse éventuellement du digramme grec et elle passe à une graphie plus mondaine et plus simple, celle que nous garderons. Le « e » fermé, alors c'est un royaume incroyable, hein, la voyelle « e », hein. Vous trouvez aussi bien le « e » tout seul, regardez « témérité », vous avez deux « e » qui n'ont pas d'accent à l'époque. Vous pouvez avoir une lettre muette, comme dans clé, C-L-E-F. Il y a aussi des accents qui apparaissent. Hein. Donc, tout ça est en variation. Deuxième diapositive sur les zones. Hein. Ça fluctue beaucoup dans la série que voici. S, SC, 2S, SC10, CE et le T de Sion. Hein. Savant comme ça, savant comme ça. Avec ou sans un U ou un V, et prononce ça avec la CDI, mais parfois encore assez archaïque, C-E-A, hein, l'adscription d'un E muet. Hein. Les lettres géminées, bon, ça, c'est la bouteille à l'encre, hein. Ça bouge tout le temps.
attelé avec un seul T, avec deux T, une lettre écrite comme ça par Richelet, hein, mais aussi comme ça, un modèle avec les deux L, qui note en effet qu'on dit modèle et pas modèle, mais aussi ensuite modèle en 1762. Donc tout ça évolue de concert. Les voyelles longues, c'est aussi un endroit assez terrible. Vous pouvez avoir la voyelle sans aucune indication de longueur. Vous pouvez trouver évidemment le S qui est là et qui dit prononcer fenêtre et pas fenêtre, hein, ni fenêtre. L'accent circonflexe apparaît pour les voyelles longues. Et il reste encore parfois quelques notations très archaïsantes qui consistent à laisser la voyelle longue sous la forme des deux voyelles en hiatus de l'histoire. Alors les Y calligraphiques, vous voyez ça et ça, aujourd'hui comme ça, tout ça fluctue. Énormément de fluctuations dans les digrammes et les trigrammes, coteaux comme ceci ou comme ça, une règle comme ça, ou encore comme ça. Et d'anciens hiatus, hein, le participe passé du verbe lire, déjà écrit lu, mais aussi leu, de même que vu s'écrit aussi comme ça. C'est assez impressionnant. Hein. Chez Richelet, par exemple, j'ai dû avec l'accent circonflexe ou j'ai dû deu. J'ai encore une troisième diapositive sur la variation. Alors, les voyelles nasales. L'abbé de Dangeau, qui est pourtant un académicien de l'Académie française, propose enfant comme ça, hein, ou aisément comme ça. Donc, beaucoup de discussions sur que va-t-on faire des EN et des AN, des EEN et des... Excusez-moi, je suis un peu fatigué là. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Hésitation sur JE et GE. Beaucoup de problèmes aussi sur les finales en S ou en X. Et puis des consonnes muettes qui parfois sont encore là, parfois ne sont plus là. J'en ai fini avec cette espèce de carte géographique assez grossière des variantes. Et en fait, la réalité est encore plus complexe que cela. C'est-à-dire que vous avez principalement deux grandes familles d'orthographes. Les orthographes lettrées et les orthographes dites mondaines. Je dis famille parce qu'en réalité, comme je l'expliquais, ça n'est absolument pas du tout univoque. C'est-à-dire qu'il y a en gros des tendances mondaines et en gros des tendances lettrées. Et tout cela dans une espèce d'empirisme tâtonnant. Mais je vous ai donné ici quelques exemples un peu prototypiques de ces oppositions. Coutume, enclave, renvoi, usage, rapporté, arrêt et titre. Mais la troisième famille, c'est celle sur laquelle nous allons évidemment nous pencher le plus pendant ce colloque, c'est celle des mal lettrés, hein, avec beaucoup d'autres choses que cela, c'est-à-dire des segmentations erronées, des confusions d'homophones, des accords erratiques et puis des influences dialectales. Et ça, c'est ce que nous allons voir demain après-midi en partie en travaillant sur les Dames d'Argenson, puisque, comme on le verra, malgré leur grande intelligence et leur lecture très nombreuse, on voit bien à regarder leurs originaux à quel point il leur a manqué un apprentissage assez systématique. Alors me direz-vous, oui, mais apprentissage systématique de quoi ? Donc le problème est double en quelque sorte. Il y a l'éducation faible, mais il y a le fait aussi que quand elles prennent la plume, elles sont face à un spectre de possibilités, et ça ne simplifie pas la tâche de ces dames. Donc, entendons-nous bien, il n'est nullement question de jeter la pierre sur qui que ce soit. C'est une situation sociologique complexe, et... dans beaucoup de cas, finalement, leur lecture, le fait qu'elles lisent beaucoup, montre très vite dans leur pratique qu'elles ont compensé par la lecture et par l'imprégnation de la lecture
le fait que leur éducation manquait de système. Alors, les dictionnaires, en fait, sont vraiment des reflets de ce qui est en cours. L'Académie de 1694 est plutôt à tendance docte, ça c'est très clair. Mais Richelet, donc, comme vous voyez, 14 ans avant, innove vers plus de simplicité. Et je voudrais tout à l'heure vous montrer quelques exemples qui sont assez intéressants. Alors, au XVIIIe siècle, ce qui devient intéressant, c'est que l'Académie, est un sismographe. C'est-à-dire qu'elle est en train de sentir les évolutions et d'essayer de les épouser d'une façon moyenne, empirique, tâtonnante, en tout cas pas systématique, mais elle fait vraiment des progressions très nettes. Et il faut dire que l'Académie française, à cette époque-là, l'âge moyen des académiciens devait être, je ne sais pas, aux alentours de 40 ans, ce qui, par rapport à aujourd'hui, je me demande si l'âge moyen des académiciens n'est pas plutôt de l'ordre de 78 ans. Et forcément, je pense que cette différence d'âge joue dans le fait que vraiment l'Académie épouse des tendances dont on a parlé tout à l'heure, c'est des tendances, des changements de poids sociologique. Et ça aboutit donc sous la houlette de l'abbé d'Olivet, secrétaire perpétuel de l'Académie française, à des éditions qui, de plus en plus, épousent des graphies plus modernes, plus simples, avec moins de lettres muettes. Et c'est en 62 que les accents aigus, graves et circonflexes prennent exactement la place, vraiment très exactement la place qui est la nôtre aujourd'hui. Évidemment, l'inflexion que prend l'Académie en 1740-1762, ça va avoir une très grosse influence. Et c'est assez étonnant, j'ai pris donc un texte qui émanait du Parlement de Bretagne en 1743, vous voyez, 3 ans après la 3e édition de l'Académie qui déjà modernisait pas mal. Et regardez, elle écrit comme ça. Et plus comme ça. Et ça, pour moi, c'est très symptomatique. Ça veut dire qu'elle est en train de prendre une autorité qu'elle n'avait pas du tout. Et ça, ça va avoir évidemment une incidence sur toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle où, je pense, l'image, et ça, je pense que Manolo Brunia-Cuevas, qui parlera après-demain dans notre colloque sur les dictionnaires, l'évolution de l'orthographe des dictionnaires français, espagnol, espagnol, français, ça va petit à petit avoir une incidence. Et les dictionnaires étrangers vont nous servir d'excellents limiers pour voir dans quel sens l'Académie prend du poids de plus en plus à mesure que le siècle avance. Alors j'ai pris un exemple. Et ça, c'est assez intéressant, c'est le mot abîme. Donc en grec, abyssos, transcrit comme ça en caractère romain, se prononce déjà abîme comme aujourd'hui, mais se prononçait en fait abîme, avec un i long, abîme. Alors, je vais passer assez rapidement en revue les choses, mais vous allez voir que pendant tout un temps, ça fluctue complètement. Et c'est après la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'on sent qu'on se dirige de plus en plus vers l'affirmation que l'Académie a un standard et que c'est ce standard qu'il faudra épouser. Donc, on voit coexister ça et ça au XVIIe siècle. Donc l'Académie choisit ça, et même Richelet en est là, déjà, c'est vous dire. Il y a vraiment un abîme entre les deux.
Seulement, Richelet est déjà très en avance sur son temps. Il y a deux problèmes, en fait. L'étymologie et la longueur longue, et la longueur de la voyelle. Donc, est-ce qu'on met l'Y qui indique la provenance? Et deuxièmement, est-ce qu'on laisse cette ES qui indique, en fait, qu'on prononce abîme et pas abîme? C'est ça qui va poser problème. Et on va voir comment les choses se règlent. Alors, les dictionnaires du 18e, au début, ne s'encombrent pas. Ils citent une, deux, voire trois graphies. Vous allez voir, c'est vraiment tout à fait étonnant pour nous, gens du 21e siècle. On est un peu ébahis, sauf les linguistes spécialistes de ma période comme moi. Mais les autres, oui, nous sommes surpris. Alors, je suis parti, évidemment, de l'édition prime, la première édition de l'Académie. Voilà comment elle l'écrit, et elle ne l'écrit que comme ça. Richelet, donc 14 ans avant, propose déjà ça. Et il dit l'un et l'autre s'écrit, c'est-à-dire A-B-Y-S-M-E ou A-B-I, accent circonflexe, M-E, s'écrit, mais l'S ne se prononce point. Donc voilà déjà, en cette fin du XVIIe siècle, l'indication de ce dont je parlais, c'est-à-dire de la variabilité extrême. Mais l'Académie, donc environ 60 ans après, s'est convertie à plus de simplicité. Vous voyez qu'elle a fait sauter le S, mais qu'elle garde l'Y. Quant à l'encyclopédie, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, donc elle cite les deux. Pas l'accent circonflexe de Richelet, hein, mais quand même l'Y ou l'I. Seulement, elle n'est pas très univoque, parce qu'au milieu de son article, l'encyclopédie cite une troisième graphie. Donc, on sent que tout ça fluctue pas mal. Et alors, voici le cas extrême. Nous sommes en présence du dictionnaire des Jésuites, c'est peut-être pas très étonnant. Donc, une certaine casuistique orthographique est là. Vous avez trois graphies qui coexistent. Deux qui ont apparemment le ventre en poupe, et les jésuites ajoutent « abîme mieux qu'abîme ». On sent déjà que celle-ci est en perte de vitesse. Seulement voilà, dans le dictionnaire de Trévoux, à un moment donné, vous trouvez encore cette orthographe-là. Donc tout cela est dans une sorte d'éclectisme, d'écuménisme orthographique. Vous voyez, ici, c'est comme ça, mais après, c'est comme ça. Visiblement, les jésuites sont très, très ouverts. Et je commence tout doucement à m'approcher de l'essentiel, car voici qu'à Poitiers, c'est le moment de faire un peu cocorico pour cette bonne région qui vient d'être absorbée pour le meilleur et pour le pire, par la Grande Aquitaine, apparaît un traité de l'orthographe, celui de Leroy, qui est publié à Poitiers dès 1739. Vous notez que c'est avant la conversion, en quelque sorte, de l'Académie à la nouvelle orthographe, 40, 62, 98. Mais dans sa quatrième édition, après la mort de Leroy, de toute façon, Pierre Restaud va faire évoluer les choses. Et vous allez voir que ce qu'il dit n'est pas sans intérêt. Quoique la langue française n'ait presque pas varié depuis 50 ans, et que les auteurs du siècle où nous sommes se fassent honneur d'imiter ceux qui ont excellé sur la fin du dernier, cependant, l'orthographe a reçu tant de différents changements qu'à peine trouve-t-on deux livres où elles soient semblables s'ils n'ont été corrigés par un seul et même correcteur. Tout le monde reconnaît ce défaut et personne n'y a encore apporté le véritable remède. Il est clair que Leroy et Pierre Restaud prétendent qu'ils vont uniformiser un peu tout ça. Alors, grand succès
vive Poitiers. Hein. Grand succès de ce traité de l'orthographe, qui, comme vous le voyez, est réédité en 52, 64, 70, puis 75, puis 77, 85, 86, 92, toujours à Poitiers, jusqu'à ce que, en 1800, ce traité migre à Paris chez Claude-Félix Rocher. Alors, nous sommes maintenant dans l'édition 1785, et là j'attire vraiment votre attention, parce que ça montrera, ça va dans le sens de, je pense que Manuel Brugna dira, que l'autorité de l'Académie est désormais de plus en plus une constellation incontestable. Tous les principes d'orthographe que l'on y avait établis, il s'agit de la troisième édition, hein, celle de, des années 40, hein, n'était pas également exacte et autorisée par le bon usage. En plusieurs endroits, on s'était écarté du système de l'Académie, j'ai quelques doutes sur la pertinence exacte de ce mot, au moins dans le sens qui est le nôtre aujourd'hui, sans en donner de raison suffisante. Monsieur Restaud, donc la quatrième édition de ce traité de l'orthographe, ne se contenta pas de corriger la plupart des remarques qui sont répandues dans le corps du dictionnaire, il en ajouta sur tous les mots dont l'orthographe lui parut avoir besoin d'être éclairci ou justifié. Il se fit une loi de se conformer à celle de l'Académie, à laquelle tout esprit raisonnable doit déférer avec d'autant plus de confiance que cette savante et illustre compagnie, qui a donné en 1762 une nouvelle édition de son excellent dictionnaire, étant uniquement occupée par son état de la perfection et de la pureté de la langue française, on ne doit pas douter que les décisions et les règles qu'elle adopte ne soient fondées sur l'usage autant que sur la raison. Donc là, on est vraiment assez nettement, sociolinguistiquement parlant, dans un nouvel état qui est, et ça sera, je pense, très important pour observer les graphies de nos dames, quand on approche de la fin du siècle, quelque chose dans la conscience qu'il existe un standard de plus en plus net et qu'il réside dans l'Académie française est désormais en place. À un autre endroit, il dit « Aujourd'hui, nous sommes autorisés par l'Académie ». Ça, c'est très, très... Je voulais simplement vous donner à lire... Voilà ce qu'est une remarque du traité de l'orthographe. Je vous laisse découvrir. Ça se trouve ici, mais c'est tellement peu lisible que je l'ai mis ici. Preuve par neuf, regardons le mot abîme dans le traité de l'orthographe de Restaud le Roi. En 1747, il écrit encore, et là il n'est pas tout à fait conforme à 1740 de l'Académie, il écrit encore comme en 1694. Et aussi bien sur le substantif que sur l'adjectif des verbales et sur le verbe. Et il ajoute, ces trois mots viennent du latin abyssus, ainsi il faut écrire de la sorte, et non pas comme Richelet et quelques autres, excusez-moi, j'ai oublié de mettre un S ici, novateurs qui écrivent abîme et abîmé. Alors vous allez voir la jolie palinodie, parce que en 1785, que trouve-t-on? Très exactement ce que proposait Richelet, et que l'Académie va finir par accepter aussi. Donc là, à chaque fois, il a corrigé. Il prend le circonflexe quand la syllabe suivante est muette. On écrit aussi comme ça, relativement à leur étymologie tirée du grec. Donc on voit vraiment là comment s'effectue une bascule. Voilà, alors j'approche de la fin de ma conférence. Le livre, je le trouvais très instructif.
Parce que ces rééditions successives indiquent une sensibilité croissante à l'idée d'un standard. C'est-à-dire qu'on voit petit à petit que l'Académie monte au ciel de la norme et que de Leroy à Restaud, on en a conscience et on approche de plus en plus le traité de l'orthographe française de ce qui devient une forme normée. Et vous avez une très grosse préface de 97 pages qui reprend tout ce qu'il faut pour comprendre l'orthographe française du temps, ce qui signifie qu'il y a maintenant une clientèle et des gens qui veulent absolument se conformer et comprendre comment on se conforme. Alors, j'en arrive maintenant à ma conclusion. Visiblement, à partir de 1762, surtout la quatrième édition de l'Académie, le ciel de l'orthographe change. Ce n'est plus le royaume de la variation. C'est encore des pratiques en variation, mais vous avez véritablement l'apparition d'un code, ce qu'on pourrait parler de code, c'est-à-dire de séries de mots qui ont été authentifiés dans leur orthographe par l'Académie. Deuxièmement, des indices croissants d'une autorité de l'Académie à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et donc là, après-demain, on pourra écouter avec d'autant plus de curiosité et d'attention la conférence de Manuel Brugna-Cuevas, puisqu'il va observer ce qui évolue dans les dictionnaires bilingues français-espagnol et espagnol-français. Mais je voulais citer quand même, en 1810, ceci qui est très intéressant, cours analytique d'orthographe et de ponctuation ou nouvelle grammaire des dames. Ça veut dire qu'on met en quelque sorte l'orthographe au cœur de l'apprentissage du français. Et je vous renvoie à ce que je vous disais au début, les grammairiens puristes ne s'intéressaient pas à l'orthographe, ils s'intéressaient aux synonymes, au fait qu'une métaphore devait être adéquate, qu'on ne pouvait pas employer n'importe quel mot pour un autre. Voilà, alors maintenant, on se dirige vers notre colloque, les différentes interventions de femmes sur des femmes françaises ou sur des femmes étrangères nous diront dans quelle mesure cette évolution-là, que j'espère vous avoir tracée assez précisément, a une incidence sur les productions manuscrites des femmes de cette époque. Et là, évidemment, c'est le domaine de Nicole qui va œuvrer demain. Les dames d'Argenson, bon, faible accès initial à l'écrit, je pense, du moins du point de vue de l'accès systématique, même dans les couvents les plus huppés, parce que ça c'est très intéressant, nous n'avons pas pris n'importe quelle dame de l'époque, on a pris celle qui figure en quelque sorte dans les institutions de prestige de la France et notamment de Paris. Donc on a une toise intéressante, ce sont des femmes du même milieu qui fréquentent des institutions de prestige et nous verrons demain notamment aux Ormes. Si vous voulez aussi nous accompagner, vous êtes les bienvenus, il suffit que vous me demandiez et je vous donnerai le lieu du rassemblement. Mais il ne faut pas oublier, quand on lit leur correspondance, qu'elles reçoivent leur formation à une époque, pour l'essentiel, surtout pour les deux premières dames d'Argenson, où l'autorité académique en matière d'orthographe est encore assez faible. Ça, c'est très important pour ne pas les taxer de fautes là où elles sont encore dans une espèce de monde fluctuant que l'autorité académique n'a pas encore réglé. Je crois que j'en ai terminé. Oui. Voilà. Quand vous avez évoqué la cour au XVIIe siècle, vous avez écrit que les courtisans étaient peu acculturés au latin, et quand ils l'étaient, ils se gardaient bien de le montrer. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Pourquoi ils se gardaient bien? Oui. Donc je vous ai un tout petit peu dressé le portrait, c'est-à-dire qu'au début du XVIIe siècle, la monarchie
va se battre à temps et à contre-temps contre toutes les formes qui lui apparaissent centrifuges, les protestants, les nobles, y compris même les membres de la famille, et le Parlement, avec son type d'écriture, avec son érudition, avec son bilinguisme français-latin, est maté. À partir de là, la noblesse de cour apparaît comme le parangon du bon usage. Et je vais un tout petit peu plus loin pour mieux vous expliquer. Ce n'est pas du tout la même situation au XVIe siècle. Au XVIe siècle, les grammairiens disent qu'il y a deux sources d'usage. Il y a le Louvre, mais il y a le Parlement de Paris. Donc d'un côté, la cour du Louvre, la cour du roi, et d'autre part, sa cour, mais en son Parlement, c'est-à-dire l'appareil administratif et judiciaire du royaume. Donc vous avez une double autorité tempérée. Avec l'avènement des Bourbons, il s'agit à tout prix d'affirmer tout le temps l'unique autorité du roi contre toutes les formes pressenties comme centrifuges. Donc, si l'on est un noble qui a une certaine culture, bon, je sais pas, le prince de Conti, par exemple, est allé quand même chez les jésuites, il a lu des auteurs latins, il ne s'agit surtout pas de se comporter comme un pédant parce que les dames ne comprendront pas, et surtout parce qu'on apparaîtrait comme lourd. Si vous regardez l'article savant du dictionnaire de Trévoux en 1704, toutes les citations sont péjoratives. Toutes. Donc là, vous avez une mode qui a une incidence sur la langue, c'est-à-dire que ce sont les indoctes, ceux qui n'ont pas de culture de latin, qui ont gagné contre les doctes et ceux qui étaient frottés de latin. Donc si par hasard on est une espèce de produit hybride comme le prince de Conti, mais il y en a d'autres évidemment, hein, et on va se garder, même si on est une dame qui a une certaine culture, on se gardera bien de la montrer, parce que sinon on apparaîtra comme une espèce de pédant égaré à la cour. Oui, tu as dû le faire exprès. Tu ne nous as pas dit un mot sur cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Et donc, mais pourquoi ? Est-ce que ça fait partie de cette même histoire ou pas ? Oui, c'est un fait que, au moins, un dictionnaire dit que le genre masculin est plus noble que le genre féminin. Donc quelque chose comme une hiérarchisation se met en place. Mais oui, il y a quand même déjà à cette époque-là, j'irai pas du tout dans le sens, forcément dans le sens de Eliane Viennot qui pousse un peu le palais loin, hein, mais déjà quelque chose qui ressemble. On ne dit pas, dire que le genre masculin est plus noble que le genre féminin, c'est dire plus que on utilise le masculin en quelque sorte comme le neutre de la langue par défaut, puisqu'il n'y a pas de neutre en français alors qu'il y en a en latin. Donc le commencement d'une sorte de hiérarchisation rampante de la société qui se voit comme ça en filigrane dans la réflexion sur les deux genres, ça se voit déjà au XVIIe siècle. Je me permets d'insister, est-ce que dans les débats autour de la grammaire, et notamment dans les livres que tu as cités, est-ce qu'il y a des occurrences de ce type de débat ? Très peu. Non, c'est pas un sujet. Je voudrais simplement dire un mot. En 1673, je vous disais que l'Académie avait enfin statué sur l'orthographe qu'elle allait utiliser. Elle a dit qu'elle utiliserait l'orthographe des doctes
et pas celle, alors il y a, on a barré dans le manuscrit des simples femmes. Donc simple femme est barrée, mais se trouve là, et ça en dit long. Mais ça ne concerne pas la féminisation, comme vous voyez. La question des accords, tout ça, pardon, ce débat sur les accords. Il est question, effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on a un substantif masculin et un substantif féminin. C'est là que, dans certains cas, certains grammairiens s'abandonnent à une forme de collage idéologique en disant que c'est masculin pluriel parce que c'est le genre le plus noble. On ne voit pas trop ce que ça signifie, noble, ici. Sinon que ça fait quand même référence à une hiérarchisation sociale dans laquelle, manifestement, la femme est en dessous de l'homme. Il y a quand même une disparition de la règle de proximité. Donc ça a dû être mis en débat, non ? Sur l'accord. Oui, alors là, vous me collez parce qu'il faudrait que je revienne à mes sources, hein, parce que ça n'a pas été tellement mon sujet. Je crois que dans la grammaire de 1704, qui aurait pu être la grammaire de l'Académie française, celle de l'abbé Régnier des Marais, qui était à l'époque le secrétaire perpétuel, mais qui avait un si sale caractère que l'Académie n'a pas voulu donner son patronage à sa grammaire, je pense que déjà là, tout ça est déjà placé et indiqué. Maintenant, en amont, il faudrait que j'aille regarder à chaque fois, mais je pense qu'en 1704, cette question est vraiment réglée. Dans le marbre de l'abbé Régnier des Marais. Merci. Je me demandais si vous considéreriez que pour les femmes sur lesquelles nous, on travaille, il faut imaginer qu'elles aient respecté une de ces nombreuses orthographes. Est-ce qu'elles auraient eu en tête de mettre toujours un Y à un certain endroit ? Et est-ce que ce serait donc intéressant de documenter leur orthographe à elles ? Enfin, je pose la question parce que, personnellement, pendant des années, j'ai quand même lu Isabelle de Charrière dans des éditions diplomatiques, donc son orthographe. Moi, ça m'a paru toujours, j'ai jamais fait bien attention à l'orthographe, je dois dire, j'avoue, ça m'a paru complètement arbitraire. Et donc ça me remet dans une nouvelle voie d'imaginer que ça aurait pu ne pas être arbitraire. Donc moi je crois que ces femmes donc il y a deux choses qu'il faut prendre en compte à mon sens. C'est un, le fait que, comme je le disais, l'orthographe est totalement fluctuante et que ce n'est pas très évident pour elles de faire des choix. Donc on peut peut-être avoir l'impression parfois même qu'elles ne sont même pas conséquentes dans l'exercice de l'écriture. Mais les hommes, dans certains cas, le sont tout autant. Donc ça veut simplement dire que, surtout dans les correspondances manuscrites et familières, on n'est pas du tout tenu même... à une espèce de conséquence qui serait dans des genres plus nobles. La correspondance est située quelque part dans une hiérarchie des genres nobles et des genres moins nobles. Quand elle est en plus, non pas une correspondance diplomatique, mais une correspondance très familière, je pense que ces femmes, encore une fois, n'ont pas la conscience qu'il existe encore une norme. Et donc, un, leur formation et deux, l'absence d'un standard aboutit à ce que probablement vous voyez parfois en vous disant mais qu'est-ce qui se passe là-dedans, ça a l'air arbitraire si je comprends bien ce que vous voulez dire. Donc elles sont en fait au carrefour de ces deux problèmes, leur instruction d'un côté et l'absence encore jusque finalement assez tard dans le XVIIIe siècle d'une autorité orthographique reconnue. Je ne sais pas si je réponds vraiment, allez-y. Enfin, je me dis qu'on pourrait imaginer qu'elles se seraient
à partir de tout cet arbitraire qui les environne, elles se seraient créées leurs propres normes pour l'orthographe. Et là, maintenant, avec les humanités numériques, on pourrait essayer de vérifier ça. Parce que là, on deviendrait complètement fou de regarder ça de près, mais c'est facile à vérifier, en fait. Est-ce que ça vous intéresserait ou est-ce que vous dites, bon, bah... Pff. Là, je crois que ça serait intéressant vraiment de... que cet atelier que nous faisons pendant 3 jours aboutisse à... Est-ce qu'on peut faire davantage quantitativement pour y voir clair ? Parce que chacun, finalement, travaille de son côté. Et pour se faire une idée sociologiquement plus large, il faudrait avoir des corpus bien plus conséquents. Donc, je voudrais quand même vous répondre sur la question de ces femmes. Je crois qu'encore une fois, le genre de la correspondance familière n'oblige absolument pas ces femmes à être conséquentes, même à l'intérieur de leur propre orthographe. Elles auraient pu vouloir, mais au fond, pourquoi vouloir envers et contre tout ce qui se produit autour d'elles ? Il faudrait être plus pape que le pape lui-même. Alors, admettons qu'il puisse y avoir des femmes qui sont vraiment soucieuses d'aller jusqu'au bout d'une certaine conséquence avec elles-mêmes. Mais dans ce cas-là, elle travaille contre vents et marées. Ceci étant, ce que vient de dire Suzanne et ce qu'on a perçu dans notre atelier, autant que j'ai pu y participer, c'est qu'on ne s'est pas intéressé à la question jusqu'à il y a très peu de temps. Et pour avoir lu un peu Charrière, moi, j'ai, alors là, c'est totalement impressionniste. Pendant très longtemps, je n'ai jamais regardé sa manière d'orthographier les choses. Mais il me semble apparaître une logique, un système qui lui est propre. Et ça, grâce au numérique, on va pouvoir faire apparaître cette éventualité-là. Je ne dis pas que mon impression est juste. Et donc, il y a des décennies de travail, mais qui vont être très, très facilitées par les machines. Là, je pense que... Et quand elle dit aujourd'hui, elle écrit toujours de la même manière. Oui. Suzanne nous dirige dans une direction, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut... Vous savez qu'il existe... ça, c'était fait par les Finnois. Early Modern English Correspondence Corpus, qui permet de suivre sur 150 ans, quelque chose comme ça, l'évolution des graphies anglaises. Et bien sûr, l'évolution de la morphologie, l'évolution de la syntaxe de l'anglais. Nous n'avons rien de tel, il faut bien le dire. Et donc, cet atelier, il peut aussi être intéressant parce que France Martineau, à Ottawa, a aussi des corpus de femmes de la Nouvelle-France. Donc, en mettant bout à bout plusieurs types de corpus, à la condition qu'on puisse les automatiser d'une manière commune, on pourrait peut-être aller dans le sens de ce que disait donc Suzanne Van Dyck, c'est-à-dire, est-ce que on va voir plus de conséquences qu'on ne pense à force d'avoir des observations quantitatives. Et là, je crois qu'il faut bien le dire, cet atelier, Nicole l'a répété je ne sais combien de fois, enfonce un coin dans une terra incognita, c'est-à-dire que les historiens n'étaient pas très sensibles à la matérialité et à la propreté des données. Et nous autres linguistes, surtout sur cette période, nous sommes si peu nombreux, tellement clairsemés, que peu de gens se sont dit « Et si ce gisement, finalement, des pratiques féminines pouvait constituer une des strates qui nous permettrait de construire une histoire de la langue française sédimentée et pas seulement hantée sur le bon usage des imprimeurs ?» Donc là, je crois qu'il faut avoir du courage, c'est ça le problème. Parce que, vous savez, transcrire comme on l'a fait, Catalina en sait quelque chose, parce qu'elle a relu avec Anne-Sophie et moi certaines transcriptions que nous avions faites des Dames d'Argenson. Et c'était un casse-tête parfois, parce qu'on se disait, c'est quoi exactement qu'on voit là, et comment on le transcrit, et on en parlera demain après-midi.
poser une question un petit peu à l'écart de celles qui vous ont été posées jusqu'à présent. Est-ce que l'internationalisation de la langue, à partir du traité de Westphalie, a retenti, à votre avis, sur la norme ? Le français est devenu une langue de culture internationale, particulièrement au XVIIIe siècle. Mm-hmm. Est-ce que ça a influencé, est-ce qu'on peut constater une influence sur la montée de la norme ? Alors, oui, c'est vraiment intéressant. Je crois, alors je dirais que au moins c'est une force très adjuvante. Parce que à partir du discours de Charpentier sur l'excellence de la langue française et jusqu'au discours de Rivarol vers 1780 sur les raisons pour lesquelles, oui, il y a une obsession de donner évidemment du prestige à cette langue, de lui donner de la culture, de lui donner aussi, de la présenter comme un parangon d'une logique naturelle du discours. Le fait que la monarchie utilise cette langue pour son prestige et son influence européenne ne peut pas ne pas rejaillir sur la chose. Et je me demande, si vous voulez, lorsque Richelieu crée l'Académie, il sait très bien qu'il y a des querelles intestines à l'intérieur du royaume, mais il anticipe peut-être aussi sur le fait que ses ambitions sont celles de créer un royaume qui aura une préséance sur la scène européenne, pour le moins. Et donc, codifier, c'est donner un outil qui, de plus en plus, aura une aura et le fera entrer dans la série des langues de prestige, celles qui sont codifiées par rapport aux langues de la rue qui sont des lieux de la diversité. Donc oui, ma réponse est à tout le moins un adjuvant puissant dans l'effort de codification. Cela dit, je vous avoue que je suis très surpris par l'extrême, c'est désespérant, 60 ans d'une passivité totale. D'ailleurs, Louis XIV tempêtait contre l'Académie parce que, voilà, entre 1635 et 1694, il ne sortait rien qui serve au public, comme il le disait. Donc, ça a joué certainement. Est-ce que ça a titillé l'Académie ? Je ne sais pas. C'est une vraie question, enfin, qui poursuit un peu ce que disait monsieur. Je pensais, là, j'ai un peu lu à propos de la Russie du XVIIIe siècle, et j'ai notamment vu des objets sur lesquels il y a des phrases en français de la fin du 18e, début 19e. Et justement, comme on était dans la perspective de ce colloque, je me disais, mais est-ce qu'il y a une norme de l'écriture du français spécifique à la Russie ou pas? Et donc ma question, c'était, est-ce que... Donc on sort un peu des correspondances, c'est vraiment la diversité, là, plutôt des usages de la langue qui donnent des exigences, bon, tu nous l'as fait comprendre, qui ne sont pas de même type. Mais est-ce que dans d'autres... pays européens, plutôt sur le 18e, avec cet usage vraiment du français comme langue de culture cosmopolite, est-ce qu'il y a ces débats justement sur quel français existe, et est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Alors, je ne sais pas ce qu'en dirait Manolo et ceux et celles qui travaillent sur des zones où le français est la langue cultivée, mais qui n'est pas la France. Moi, Et j'ai un point de vue trop franco-centré, hein, là, donc là il faudrait ouvrir carrément là-bas l'aréopage du côté de ceux qui travaillent sur le français comme langue étrangère. Je n'ai pas le sentiment, mais encore une fois, ce sont mes lectures des histoires de la langue française, malheureusement très souvent beaucoup trop franco-centrées. Je n'ai pas le sentiment qu'on puisse... au XVIIe et au XVIIIe siècle, parler de variété, comme on le dit aujourd'hui, de variété régionale du français, comme
je crois, le réclame, par exemple, Montréal. Dans ma variété de français, on dit ça. Et aussi, d'une certaine manière... Non, au contraire, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les remarqueurs belges et les remarqueurs canadiens passent leur temps, en fait, à ressasser à temps et à contre-temps la norme parisienne. C'est en tout cas mon sentiment. Mais Manolo, Suzanne, Madeleine, Francisca... Enfin, en tout cas, il y a des, enfin, aux Pays-Bas, donc, hein, il y a toute une série donc, hein, de grammaire, de manuels de conversation, donc, d'orthographe, donc, hein, des, qui quand même reposent sur certaines normes. Donc, hein, je ne pourrais pas le dire en détail, donc sur certaines normes. Donc je pense qu'il y a quand même une... Et c'est ce français qu'on apprend, donc, hein, qu'on inculque donc, hein, dans les écoles françaises, qui sont fréquentés surtout par les jeunes gens des milieux de la bourgeoisie commerçante. Et les gouvernants et les gouvernantes et les gouverneurs viennent souvent de Suisse, surtout au 18e. Mais je ne sais pas, peut-être Suzanne, est-ce que tu as remarqué des particularités dans Isabelle Charrière a une gouvernante suisse, donc hein, en principe, il possède aussi un français, à mon avis, qui a été donc appris à la base de grammaire, des grammaires courantes de l'époque. Donc, hein. Mais voyez, comme je suis pas linguiste, c'est pas un aspect donc auquel j'ai fait très très attention, mais il y a tout de même toute une série de manuels qui sont utilisés pour apprendre le français. Donc, hein. Et qui sont écrits en général, oui, par souvent des réfugiés français, donc installés aux Pays-Bas. Donc, hein, Et justement, on voit dans des manuels de conversation des remarques de ce genre. Hein, on parle mieux le français, donc, hein, à la haie, donc, hein, à l'église wallonne ou à la cour, que si l'on va en France faire un voyage en France, puisque le voyage en France fait partie du curriculum, donc, hein, des jeunes aristocrates et patriciens, dans certaines provinces, donc, hein, où on parle le dialecte, donc, hein, on le dit, donc, hein, ce qui semble indiquer une certaine qualité, donc, hein, du français enseigné. Je ne dis pas forcément du français utilisé, donc, hein, mais du français enseigné. Voilà ce que je peux dire. Je pense, enfin, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire le corpus de grammaire du français pour enseigner le français en Espagne, il montre un modèle parisien, et en plus ils le disent, il faut parler comme à la ville et à la cour. Et en cas de doute, c'est ce que je leur disais, en cas de doute, la cour. Et ça au 17e. Au 18e, on continue à présenter, enfin à dire qu'il y a un seul français, une seule norme. D'ailleurs, les mentalités linguistiques sont toujours, c'est un point de vue personnel, mais les mentalités linguistiques sont toujours un reflet de la situation politique, de la mentalité politique. Comment penser qu'à un moment de monarchie absolue, de centralisation totale, on allait, penser que la langue pouvait être autre chose que celle des nobles ou à la limite celle des gens cultivés de Paris. Mais ça aurait été tout à fait contre la situation sociale du moment. En fait, on le voit très clairement lorsque la Révolution arrive. C'est la Révolution, elle aurait pu changer, elle aurait pu penser que, bon, qu'il y avait des variétés de français. Mais comment le penser? Tout d'abord, les Français ne parlent pas le français. C'est-à-dire les Français, il y avait une minorité de Français à Paris et puis quelques Français à chaque ville qui parlent le français, le reste ne parle pas le français. C'est-à-dire la plupart de la population française habitait à la campagne et à la campagne on ne parle pas français, on parle le patois de chaque village ou de chaque contrée. C'est-à-dire on parle du 18e comme si les Français parlaient français. Alors que la Révolution a dû faire des enquêtes pour voir combien de Français parlaient le français et elle est arrivée à la conclusion qu'il y avait 11% des Français qui parlaient le français. C'est l'enquête de l'abbé Grégoire en 1792. C'est-à-dire penser à autre chose, enfin, le français c'était la langue de Paris. C'était pas autre chose.
Et de ailleurs, il y avait d'autres choses. Et puis, et pas des de gens cultivés, Paris. Et des zones pas étaient de gens. Paris. Mais les zones étaient gens, évidemment. Hein. Non, non. Attention, en Suisse, on ne parlait pas français, sauf à Genève, où il y avait une minorité cultivée qui parle le français. Mais je vous rappelle que la langue de la Suisse était le franco-provençal, qui est une autre langue romane. Mm-hmm. Toutes ces gouvernantes et gouverneurs qui parlaient évidemment, dans toute l'Europe. Évidemment, les gouvernants et les gouvernantes, mais pas le peuple, mm-hmm. pas juste le voix. Oui, oui. Mm-hmm. Je ne sais pas si, Héloïse, on a encore un peu de temps pour une question, pas du tout, je ne sais pas. Il ne faut pas qu'on dépasse. Je voudrais dire un mot. Donc, si certains dans l'auditoire avaient l'idée de continuer un bout de chemin avec nous demain, vous pouvez venir et je vous expliquerai à quel endroit il faut venir, etc. Vous êtes les bienvenus. Et ensuite, pour les conférenciers qui logent à l'Hôtel de l'Europe, mais qui ne viennent pas dîner avec nous, à 9h-5 environ, deux voitures viendront dans la cour. S'il vous plaît, soyez bien dans le hall à cette heure-là, parce qu'on ne peut pas stationner longtemps sans déranger évidemment les autres véhicules. Donc, il faudra s'engouffrer dans les voitures et partir. Voilà, le commencement du colloque est à 9h30. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un petit espace pour que certains puissent s'inscrire s'ils ne l'ont pas encore été. Et d'autre part, puissent parler un petit peu, enfin, avant que les officiels ne viennent ouvrir officiellement les choses. Merci encore, Héloïse, pour votre accueil. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et à l'Espace Mendès France. Merci beaucoup et les discussions de ce soir présagent une bonne suite du colloque. Merci, bonne soirée.